Frères et sœurs, amis visiteurs, vous êtes priés de vous mettre debout pour le moment de louange. Nous allons louer notre Seigneur. Nous chantons le numéro. N'a pas chanté ou c'est fausse moins les qui me cassé, ou c'est très homme qui m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Et ensuite, le chantem. Jésus, aïe, bon Dieu.
quoi ça, frères et sœurs, dit béni soit l'Éternel. Sous quoi ça, frères et sœurs, dit alléluia. Sous quoi ça, frères et sœurs, dit gloire à Dieu. Jésus, c'est tout pour nous, frères et sœurs, non pas gain l'autre. N'a chanté maintenant la gloire de Dieu. Travaillons pour la cause du maître, bientôt il apparaîtra, il viendra nous délivrer du péché, du tentateur. Saint-Ange Jésus, que la vie est belle, notre victoire est assurée, notre bien est en lice. De la joie en Jésus-Christ, la paix et la liberté, la douceur, la sainteté. Jésus, tu es notre bonheur. Saint-Ange Jésus, que la vie est belle, la victoire est assurée, notre bien. Il y a du bonheur en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. Saint-Ange Jésus, que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Oh, il y a de la grâce en Jésus-Christ. Il y a de la paix. Il y a de l'amour en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. Saint-Ange Jésus, que la vie est belle. Notre victoire est assurée. Notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Amen. Rassoyez-vous, merci. Vous pouvez faire mieux. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Père, qui nous accorde la possibilité d'être en sa présence. Croyez-vous que Dieu est présent? Amen. Êtes-vous venu dans la présence de Dieu? Amen. Attendez-vous à voir Dieu accomplir de grands miracles pour vous? Amen. Le Seigneur nous aime et nous voulons l'aimer également. Je voudrais inviter mes deux collègues qui sont présents, pasteur Jules Oise et pasteur Franklin Louis, à se tenir debout, et vous connaissez le pasteur de l'église, c'est pasteur Philippe Joseph Élisée. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Amen. Une personne a entendu. Amen. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Amen. Donc, chers amis, frères et sœurs, compagnons de voyage, nous voulons que vous preniez le temps d'écrire ces numéros, et au cours de la journée, si vous avez une question, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à appeler l'un de ces numéros. Si l'un d'entre eux n'est pas capable de répondre, un au moins vous répondra. Donc je vais vous donner 4 numéros, et encore, rappelez-vous, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prière, si vous avez une question sur l'étude qui a été faite, si vous avez besoin que quelqu'un réclame l'assistance de Dieu pour vous,
n'hésitez pas d'appeler Pasteur Franklin Louis. Voici Pasteur Franklin. J'aurais aimé que nos amis, nos frères, nous n'avons pas de visiteurs, nous avons des frères et sœurs qui sont venus adorer notre Dieu avec nous. Donc voici Pasteur Franklin, son numéro c'est le 514. 591-8315. 514-591-8315. Pasteur Jules Roise, son numéro est le 438-886-2568. Pasteur Jean-Hercule Toussaint, c'est le 514-915-1398. Encore une fois, 514-915-1398. Et Pasteur Élisée, le numéro est 514-448-1533. Avec l'aide de Dieu, nous, ces trois pasteurs, nous prenons l'engagement solennel au nom de Dieu d'être à votre service du 1er au 29 août et même après, pour les pasteurs qui resteront, mais avec eux, nous serons à votre service. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons aujourd'hui vous parler du profil où vous présentez les lettres de créance du vrai libérateur du monde. Vous savez que le monde a besoin d'un libérateur. Le monde soupire après quelqu'un qui soit en mesure de le libérer. Et nous aurions aimé partager avec vous ce soir les lettres de créance ou le profil du vrai libérateur du monde. Vous savez que le monde a soif de dirigeants, de vrais dirigeants. Vous savez que le monde est fatigué d'entendre des promesses fallacieuses. Actuellement, aux États-Unis d'Amérique, il est surprenant de voir un homme qui a fait carrière dans le commerce, dans la construction d'immeubles, l'acquisition de terrains, la vente d'immeubles. Son nom est Donald Trump. On ne l'a jamais retrouvé comme maire, on ne l'a jamais retrouvé comme député, ni comme sénateur. Et voici que les voûtes électorales ont commencé. On croyait que jamais on entendrait parler d'un Donald Trump. On pensait que ce docteur Ben Carson qui a écrit et qui parlait, on croyait que Hillary Clinton, on croyait que Scott Walker et tant d'autres encore, Jeb Bush seraient les hommes qui domineraient la scène politique américaine. Et soudainement, Donald Trump s'est présenté et il est en tête de liste car il s'est parlé au cœur de la communauté américaine qui dit
être lassé d'hommes et de femmes qui font des promesses juste en vue de parvenir au pouvoir et sitôt élus oublient les promesses qu'ils ont faites. Qui nous dit que Donald Trump ne va pas non plus agir comme ceux qui l'ont précédé. Mais puisqu'il présente un agenda différent des autres, puisqu'il parle de manière à atteindre le cœur des gens américains, eux tous sont après lui. Cependant, frères et sœurs, compagnons de voyage, aujourd'hui je ne suis pas venu vous parler de Hillary Clinton, non plus de Scott Walker, non plus vous parler de Donald Trump ou de Ben Carson. Je suis venu vous parler d'un homme, d'un dirigeant, d'un leader qui n'aura pas à résoudre les problèmes d'un pays ou d'une nation, mais ce dirigeant devra résoudre les problèmes de l'humanité entière. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a 4 évangélistes, nous les appelons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comment les appelons-nous? Et chacun d'eux, suivant les besoins, suivant la classe à laquelle ils s'adressaient, a présenté Jésus d'une manière ou d'une autre. Toutefois, nous dirons des 4 évangiles, 3 d'entre eux sont synoptiques. Pourquoi? Parce que le tableau qu'ils présentent a un fond commun. Matthieu, Marc, Luc sont très proches l'un de l'autre et on retrouve à peu près les mêmes préoccupations, même si les classes pour lesquelles ils ont écrit n'étaient pas les mêmes. Donc, ceux qui étudient la théologie, ceux qui s'adonnent à l'histoire du ministère de Jésus, se sont dit, ces évangiles-là sont considérés comme évangiles synoptiques de Synopsis, et un seul d'entre eux est bien différent, son nom est Jean. Mais comment comprenons-nous la rédaction des évangiles? Est-ce que les évangiles sont écrits avant que Jésus soit venu? Non. Rappelez-vous très bien dimanche soir ou samedi soir que nous étudions, nous voyons que Jésus, commençant par Moïse et par les prophètes, il expliquait aux gens qui devaient comprendre qui il était, tout ce qui le concernait. Alors, la Bible ne nous dit pas que Jésus s'est référé aux évangiles, non plus aux lettres, non plus lettres Pauline, ou lettres Pétrine, ou lettres Johannique, non plus qu'on a considéré les épîtres universelles ou épîtres dites catholiques, mais on nous dit que Jésus s'est référé à Moïse et aux prophètes parce qu'ont annoncé la venue de Jésus, la manière dont il sera né et les gens qui l'attendront. Cependant, puisque Jésus a vécu avec eux, puisqu'ils l'ont suivi, ils ont écouté ses sermons et des évangiles que j'ai mentionné, souffrez que je vous dise, deux d'entre eux, deux des auteurs, n'ont pas vécu dans la proximité de Jésus. Matthieu a été appelé par Jésus, Jean a été appelé par Jésus, mais Marc n'a pas marché avec Jésus, Luc non plus n'a pas marché avec Jésus, mais pour avoir été avec Pierre ou avec Paul, maintenant au moment de la canonisation, on a reconnu que leurs écrits soient en mesure de faire une balance de la formation des chrétiens. Donc, les 4 évangiles que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean nous permettent de comprendre le ministère de Jésus-Christ. Alors, pourquoi ceux qui ont vécu avec Jésus ont-ils pris l'engagement
de parler de Jésus. Vous savez, il y a les lauriers de Jésus, logos, les lauriers de Jésus ou les paroles de Jésus ou les discours de Jésus. Savez-vous, ce que je dis là, maintenant, si ce que je dis doit être rapporté, vous assure, la dernière personne qui aura reçu le message que je suis en train de délivrer aura un autre message. N'avez-vous jamais fait l'expérience? Vous pouvez être dans une salle, vous dites quelque chose, vous chuchotez quelque chose à l'oreille de quelqu'un et vous demandez à ce quelqu'un de transmettre à quelqu'un d'autre ce que vous avez chuchoté à son oreille et finalement, vous faites le tour de la salle. Ne soyez pas surpris de voir, avant même que ce message vous revienne, vous aurez un autre message. Alors, les disciples ont compris qu'il fallait protéger les enseignements de Jésus. Et les disciples également, ayant évolué en des circonstances particulières, ce que nous appellerons ou que les théologiens ont appelé le Sitz in Leben. Maintenant, ils se sont dit, nous devons écrire et nous devons laisser à la génération future ce qu'a été la vie de notre maître, la vie de notre Seigneur, ce qu'a été le ministère de notre maître. Et de ces quatre, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont rapporté ce qu'a été le ministère de Jésus, souffrez que je vous invite à admirer le tableau qu'il a dépeint de Jésus-Christ. Naturellement, il vous faudrait lire tout l'évangile de Jean, ce que nous ne ferons pas, mais vous prendrez un immense plaisir aujourd'hui à apprécier la manière dont il a introduit le ministère de Jésus, le personnage qu'on appelle Jésus, le seul et vrai libérateur, pas d'un pays, pas d'un continent, mais de la terre entière. Jean nous dit dans Jean 1er, versets 1 à 14, je vous inviterai une fois de plus à relire ce passage avec moi. Jean 1er, versets 1 à 14, je vous écoute. Lisez la parole de Dieu. Je vous suis. Merci. Bien-aimés, regardez la manière dont Jean a présenté son sauveur, son maître. Contrairement à Matthieu, qui présente le royaume
de Jésus et fait remonter Jésus à David. Contrairement à Luc, qui le présente comme étant un sauveur, un fils de l'homme, et fait remonter Jésus à un homme. Contrairement à Marc, qui parle d'un serviteur, Jean, lui, ne s'est pas préoccupé de la terre, mais il a dû recourir à l'origine divine. Jean commence purement et simplement, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La préoccupation de Jean était de décrire la divinité de Jésus-Christ. C'est vrai, nous voyons Jésus homme, un homme qui vit au milieu des hommes, un homme dont sa mère est une femme, un homme qui a vécu en un milieu bien déterminé, mais cet homme que vous faites remonter à Nazareth, cet homme qui a vu le jour à Bethléem, cet homme dont Joseph est le beau-père, cet homme dont la mère s'appelle Marie, ne s'arrête pas à la terre, son origine est du ciel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'ai un problème quant à la manière dont Jean présente Jésus-Christ. J'ai un problème, naturellement, vous me direz, mais pasteur, il n'y a pas de mention de Jésus dans le texte. Je vous dirai oui, mais quand vous lirez, vous verrez par la suite qu'il s'agit de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, cette parole n'est pas un mot, cette parole n'est pas un son, mais cette parole est chair. Et cette parole a vécu. Cette parole n'a pas été parlée, mais cette parole a vécu. Alors, bien-aimés, Jean déclare, au commencement était la parole. Allô? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans ce simple verset, il y a trois vérités. Et j'aurais aimé que vous et moi, nous les retenions de manière claire. Un, au commencement. Ça veut dire au commencement. Ça veut dire au commencement. Si au commencement était la parole, est-ce que ça veut dire que c'est commencement qui commence ces paroles-là? En nous causant, nous. Quand nous voyons au commencement était la parole, ça impliquait. Pour parler de commencement, faut ça qu'a commencé commencement, t'es existé avant commencement. Au commencement, avant toute bagaille t'es existé, avant toute bagaille paraît, avant toute bagaille vient vraiment capable de compter comme faisant partie de la vie, la réalité, la parole était Dieu. Et nous sommes tentés de dire que l'évangile de Jean est la genèse du Nouveau Testament. Vous savez que la genèse, ou le Bereshit, qui signifie commencement, vous savez ce livre qui nous parle de notre histoire, d'où nous sommes sortis, où le péché est sorti, en effet, le livre de la Genèse est le livre des origines. Origine de tout. Origine du péché,
origine de la foi, origine du sacrifice, origine de la grâce, origine de tout. Et la Genèse commence ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Eh bien, l'évangéliste Jean introduit son évangile de la même manière. Au commencement. Mais au lieu de parler de ce que ce Dieu a créé, là, l'évangéliste Jean lui-même parle non de la création, mais du Créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Regardez très bien. Au commencement était la parole. Donc, qu'est-ce que cela implique? Si au commencement était la parole, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la parole? Deuxièmement, la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, où est la parole maintenant et qu'est-ce qui est avec la parole? Troisièmement, la parole était Dieu. Si la parole était Dieu au commencement, qu'est-ce qu'elle est maintenant? Trois questions importantes. Et l'apôtre Jean va nous aider, vous et moi, à comprendre la raison pour laquelle l'évangéliste Jean a conjugué le verbe au passé, à l'imparfait. Regardons ensemble la manière dont Paul présente les raisons pour lesquelles l'évangéliste Jean déclare « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Une simple phrase et tout un univers de discours théologique. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'oubliez pas que la parole est Dieu, pardonnez-moi si j'ose me défaire de Jean un petit moment, la parole est Dieu, et cette parole Dieu est avec Dieu. Parole ça, c'est Dieu et lui avec Dieu, et parole ça, pas gain origine ni à partir de nous-mêmes. On capable avec un chef, même pas chef. Allô? Capable de citer nos machines avec un chauffeur, même pas chauffeur. Capable dans un avion, même pas pilote. Mais la réalité est que ce personnage dont parle Jean, qu'est-ce qui se passe de lui? Lui, c'est Dieu. Li avec Dieu et origine ni pas remontée de l'existence de la terre. Mes amis, il doit être clair dans la tête. Nous mettons de toutes paroles, ma bande, un seul bagage de nous sortir là. Jésus, pas gravé nous. Pas de monde, aucun monde qui passait dans votre fille. Même le Jésus t'est passé dans votre fille. Cap jamais capable de comparer à Jésus. Mahomet est un prophète. Mais Mahomet est un maman, est un papa, l'aile mourir, il n'est pas ressuscité. Mahomet est un prophète. Mais avant la terre, Mahomet n'a pas existé.
Bouddha capable d'établir le bouddhisme. Nous apprécions toute idée ou gagner tout enseignement que vous avez. Mais il y a un seul qui vient sous la terre avant de venir, c'est Dieu. Et ce qui est bon de la chose, quand Dieu a déclaré à la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, parlant au serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui laisseras le talon. Écoutez ça bien. Il n'a pas dit à Adam que la postérité de la femme serait sa postérité. Il a dit à Adam que ma faux travail dû à cause ou même la nature a révolté. Mais il dit à Ève, m'a mette fâché entre ou même accepant. Entre génération pas et génération pas serpent. Ça qui a passé, serpent a fait blesser talon, pied ou mais ou a fait craser tête. Et savez-vous ce qui fait? Savez-vous ce qui arrive à Jésus? Est-ce que vous connaissez ça fait Jésus pas jamais cap comparé à personne? Tout le monde qui est sur la terre, faites dans le péché, grandit dans le péché et mourit dans le péché. Mais les Jésus a fait lui-même, lui passé dans le vote péché. Mais ça qui se mange, il y a pas péché. C'est pour ça que texte n'a pas dit, m'a mis inimitié entre leur postérité et ta postérité. Texte a dit, m'a mette fâché entre postérité femme et postérité ou même, parce que postérité femme pas postérité non. Jésus n'a pas été dans les entrailles de Marie à partir d'un humain de la terre. Jésus, notre Dieu, est venu nous faire comprendre pur et simple, tenez bien, moi créé, c'est moi créé. Avant ou exister, moi exister. C'est moi placé sous terre. Ou quitter Satan, bah ou panjoup, kounya ou en rébellion avec papa. Comme si c'est nous qui avons fait erreur. Non, nous pas fait erreur. Si on erreur pour nous faire, c'est parce que nous bah ou possibilité pour choisir. Mais l'on choisit ou choisit mal. Eh bien, ma vini, ma prend même condition, non? Pas venir dire que c'est parce qu'on est humain, il ne faut pas faire bien. Pas venir dire que c'est parce qu'on est humain, il ne faut pas observer la loi de Dieu. Ma vini, même gens avec vous, et ma montre que péché pour IDM, tentation pour IDM, même pas j'en péché, nous moment. Je vous disais que l'apôtre Paul nous permet de comprendre pourquoi le temps est à l'imparfait. Regardons ensemble dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Il est dit, ayez en vous le tableau. Lequel existant en forme de lequel
existant. De qui Paul parle-t-il? Le verset 5 nous le dit clairement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et lequel, ça veut dire ce Jésus-Christ existant en forme de Dieu n'a pas fait quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça avait dit Jésus accepté, perdu égalité avec papa. L'elfe li homme pour le capable de sauver ou même ensemble avec moi. Pas quitter moun fort penser, c'est n'importe moun goyer. Pas quitter moun gado sous côté et pas quitter moun fort marcher avec tête ou baissée comme sous pas gain valeur. Auteur ou gain, Jésus-Christ est déjà fixé pour vous. Couleur ou gain, bon Dieu va ou li. Koto a vivre là, bon Dieu fixé li. Marou gain, sou prier bon Dieu choisit li. Et quel que soit calamité ou a passé dans la vie, qu'on n'a pas n'importe monde, qu'on est que c'est petit bon Dieu, c'est bon Dieu créé ou tellement de valeur que Jésus mourit pour vous-même. Pas quitter monde jouer avec vous. Pas quitter personne à performer tête physique. Parce que vous avez parlé un petit bout de français, ou pas qu'on parle français vous-même, obligé de vous initier. Non. Respectez monde. Mais tant pis, pas comprendre ce que là, expliquez-moi. Vous invitez à monter sur chair pour faire la prière. C'est créole ou connaît, c'est créole ou cap parler. Pas quitter personne à pas passer calamité, à pas faire exercice, ou à pas apprendre français pour qu'on parler français sur chair. Alors quand on dit Jésus, qu'on est obligé à faire bonjour, je veux. Non! Bon Dieu parle toute langue, il comprend toute langue. Béni nos papas ou qu'un valeur d'angélie, salva ou a, servi avec lui, fais les bien et que nous capables de glorifier. Bon Dieu n'est pas intimidé dans la hauteur, dans la richesse, dans sa savoir, parce que tout le bagage est aussi créé. Bon Dieu fatigué avec démagogie, avec bluff, avec parade. Bon Dieu, besoin d'amener nous un cœur sincère. Et si vous besoin réussir vraiment, si vous besoin connaître qui sa richesse là, ce n'est pas chercher à faire paraître, mais c'est être. Dieu ne s'intéresse pas au paraître, Dieu s'intéresse à être. Nous devons être les enfants de Dieu et non pas paraître enfants de Dieu. Parce que lorsque c'est petit bon Dieu attend qu'on vive en petit bon Dieu. Pas oublier l'expérience figuée. Lorsque c'est figuée, ou pas figue, ou paraît figue, mon pas de figue, ou doit racher, ou doit éliminer. Jamais ne se me dit ou, pas quitter ennemi à bouleverser, pas quitter ennemi à intimider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pas n'importe monde, ou c'est petit bon Dieu, et ou qui pouvoir sur Satan. Texte nous dit, Jésus arrache. D'être égal avec Dieu. Pas oublier moi. Égal. L'on dit 2 et 3 égal 5. Hello? Nous rappelons notion chimique. Égalité en chimie. Ben nous 2 quantités. Comment nous relions encore? Bon, ici, à relier comment encore? Les composants, et bon ici, arrêtez les composés, et les ou prend composants, yo, ou mélanger, yo, résultat, ba ou nan composé, a, li égal égo. L'em dit 3 et 2, 5. Si moi tire 2, a, ma kap di moi te 5. Parce que 3 et 2, li égal avec 5. Jamais ne laissez-moi dire que Jésus c'est égal à papa.
Zami, laissez-moi fort comprendre. Moun qui t'a appelé maintenant tête ou parce que c'est petite et que papa c'est papa, petite pas cap égal à papa. Mais d'où détromper tête ou. Les papas m'ont fait, Dieu est tout saint. Les moi tout saint. Il fait petite pas tout saint. Est-ce que petite pas moi, papa et moi-même, nous avons même auteur? Non. Mais il y a un bagage qui caractérise nous tous, tout saint. C'est peut-être ça moi-même. Pardonnez-moi. Et je souhaite que ce film n'a pas attendu, comme je ça déjà. Plus remet petit garçon que petite fille. Parce que l'orgue est petite fille seulement, non fini. À moins que petite fille a. Pardonnez-moi si je me fais nous réveiller. Mais à moins que petite fille ou là, tu as fait petite là dans des ordres pour encore qu'un bé, si tu pour là. Mais automatiquement qu'on est rentré dans la ville, si tu es allé. Je vais regarder petite fille qui me travaille dur pour me faire étude. Je regarde toutes mes amis passer avec lui et puis on est rentré pape, marié avec les glabes, déclaré le marié femme. Automatiquement, l'État côté lui a dit, on doit changer tout document ou pas tout saint encore ou prévalent. Mais je regarde tout petit garçon femme rentré dans la famille américaine, lui prend une jeune américaine et puis américaine enterré les Jones. Tout bagaille qu'on a dit Jones, automatiquement, si la somme est rentrée, il paraît souterrain. Il a déclaré le mari et femme, moi, déclaré le mari et femme. Je vais suspendre Jones avec un nom américain qu'on a son poussin derrière là. Zami, moi, je vais répéter où le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Pas empêcher d'ailleurs logique la expliquer. Si c'est petit bon Dieu, c'est Dieu pour lui. Pardonnez-moi. Pardon pour ça, mon Dieu, ma inspiration, mais bonne illustration ça. Nous changez la caille. Ou gen droit, pas jamais voler dans la vie. Mais si papa ou t'as le volant au cabrit, ou entravé dans la région. Wap passé, y a plié si un tue, y a prélé au si volé. Et pour t'avlé, papa Jésus Dieu, pour Jésus pas Dieu, réveillez-nous non. Satan pas voulu nous accepter que Jésus c'est Dieu. Satan voulait consoler nous que, ah, c'est un homme comme les autres hommes. Zamim, laissez-nous ça faire différence entre Jésus et tous les autres prophètes, quel que soit prophète qui mourra, sans ne pas payer péché. Qu'un seul monde qui est capable de payer péché, il est le Dieu. Et c'est parce que Jésus, Dieu, l'aile mourit par son sang, nous sommes libérés et maintenant nous sommes citoyens du royaume des cieux. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est mort sur le bois des femmes du calvaire parce qu'il est Dieu et qu'il aime ses créatures. Mes amis, le texte dit nous que Jésus dépouille. Merci beaucoup. Jésus s'est dépouillé. Regardez la nuance, je ne vais pas rester dans les structures grammaticales avec vous. Le texte n'a pas dit que Jésus a été dépouillé. Mais Jésus s'est dépouillé.
Combien d'entre nous qui sont attachés à titre? Hein? Maman a un gros problème. Elle rencontre avec moi et puis il y a un gars qui dit, moi, je vais cul. Yalo, ça va passer. Je me dis que ça ne va pas comprendre. Vous ne m'aimez pas ça avec vous. Vous ne pas ce que dit, je vais cul. C'est mon nom. C'est nous sortir par moi. L'aime te sortir dans le tout parce que l'aime pasteur, ou te l'aime Jean, Hercule, tout ça. Pasteur a son titre. Mais non, moi, c'est Jean, Hercule, tout ça. Qui est-ce dans nous qui a un titre, qui sort dans la famille, qui accepte le monde, de toute façon? Même le grand monde en Haïti où il travaille, là, quand il y a un monde qui a des moyens, c'est mon petit, c'est monsieur un tel. Comme Haïti civilisé, je ne sais pas comment nous sommes. Mais si mon petit, c'est monsieur. Si fille, c'est mademoiselle. Parce que papa, maman, il y a des moyens. Mais laissez-moi dire aujourd'hui, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ce qui l'habite. Si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, ou si vous marchez avec Jésus, ou pas besoin de peur quand vous habitez, les anges de Dieu descendent tous les soirs, viennent dormir à vos côtés, ou parce qu'on parle de votre monde, quand vous êtes là, vous êtes représentant de l'Éternel des armées. Ça pour papa, c'est pour vous lier. Tite papa, c'est tite ou. Moi, invite aux amis, moi, pour réjouir ou pour connaître. Jésus accepté. Regardez, quand nous parlons de la caille, nous assoyons, pas vrai? Nous suivons. Sauf fait. Pas vrai? L'aime enlever ça. Ça me fait de lui. Moi, je suis de lui-même. Ça dit que moi, renoncer à. Ce n'est pas prendre ou prendre. Attendez bien. Il y a une différence entre a été dépouillé et s'est dépouillé. Les Anglais ont passé la caille dans la nuit du 24 au 25 juin 1996. Et que vous tirez deux balles dans la tête, moi. Maintenant, si je suis mort, j'ai été dépouillé de ma vie. Pas et prendre ou prendre. Mais que vous avez bail, ça me vient. Ce n'est pas prendre ou prendre. Je ne peux pas avoir les gens qui prennent dans les zinglins d'eau. Pas et pas prendre. C'est pas une bail. Donc, je n'ai pas été dépouillé, mais je me suis dépouillé. Et quand je dépouillé mon bagage, ça veut dire que je n'ai pas gagné encore. Et c'est peut-être ça. Jean a parlé de Jésus, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était de même, mon ami. Ce même Jean vous dira plus tard que Jésus a déclaré, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça fait c'est seul Jésus qui est capable de mourir pour ensemble avec moi. C'est parce que c'est lui seul qui est Dieu et qui a accepté de faire l'homme. Et ça fait lui accepter de mourir sur la croix. C'est parce que qu'on est la nature divine que lui est. Si il y a un vendredi soir, à bon dimanche matin. Jésus n'a pas vu au hasard. Il sait qu'il est Dieu. Il sait que son Père veille sur lui. Avec papa, il n'a pas besoin de peur. Au dimanche matin, l'ange est descendu. Soldat tombé, porte roulée, et le vainqueur des vainqueurs est sorti du tombeau. Il s'est dépouillé. Le texte nous dit. Il a pris une forme de serviteur.
Vous savez, la Bible, c'est le plus beau livre qui est capable d'exister dans l'univers. Il a pris une forme de servitude. Peut-être qui ça? Paul dit comme ça. Parce que un roi, roi net. Le savez-vous? Que même l'homme où on était président, au fin de faire mandat, ou suspendre le président, ou s'il était président? Est-ce qu'on connaît l'autre président, ou suspendre le président, pension ou c'est sous salaire président ou abonné? Donc ça, c'est vie, nous vîmes président, et l'autre tout président. Jésus n'est pas devenu Dieu, Jésus est Dieu. Donc, quand Jésus s'est dépouillé de sa divinité, l'est retiré, ou pas l'entrer la caille ou qu'on y a, l'offre, il retirera de ça, en vendant, mais ce qu'on va le faire. Ou pas le mettre une chemise de nuit sous, ou pas le mettre une pyjama sous même, ou pas le mettre une chemisette, je ne sais pas comment faire nous-mêmes. Mais l'on retire une, ou mettez une l'autre. Et bien c'est ça que le texte a dit, Jésus prend une forme serviteur, parce que dans la réalité, il ne peut pas être serviteur, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a pris une forme de serviteur. Et il est devenu semblable aux hommes. Je ne sais pas combien d'entre vous se rappellent Théodore Achille. Et Théodore Achille, l'histoire rapportait que maman fait éducation avec le fait à repasser. Il passait, fait, prend rad dans le même monde, passait pour mettre petit l'école, faire éducation petite. Mais arrivé à un moment donné en Haïti, Théodore a déclaré, il n'y a pas de comprendre qu'on a ici levé pour ne pas gagner la caillou au moins $50 américains. Donc, s'il n'y a pas de comprendre qu'on a ici levé en Haïti, entendre, pour ne pas gagner $50 américains la caillou, l'homme dit l'examen grand goût. Ça la comprend. Il y a un monde qui n'est pas jamais malade, moins malade, ça la comprend. Je dis, c'est l'homme malade pour qu'on remette. Et c'est seulement l'homme malade qu'on est capable de remettre à monde qui est malade de coup. Jésus tellement aimé nous. Pour sauver nous. Il n'a pas parlé pour sauver nous. Il prend condition de moi. Ça dit qu'on y a dit Jésus. Où est le problème, moi? Vous voulez servir. Mais tu commences à tellement belle Jésus. Il a passé dans le quartier. Chaque fois la marché, je n'ai pas passé que ma patte, même Jean avait tout pour souffler, mon Dieu. Soit même non en balle. Il a été tenté comme nous, mais sans commettre. Dans l'ordre de Jésus, souple et sauve là. Lui comprend ça, ça veut dire tentation. Dès qu'il compatit à vous-même et lui délivre. De vous sincère, de vous relâcher tout cœur. Là-bas où la victoire. Mon bien-aimé, je viens de dire à soi, pas de monde au monde qui est capable de prendre plus que Jésus-Christ. Pas de monde au monde qui est en mesure pour transformer la vie plus que Jésus-Christ. Zamim, je invite pour demander mon Dieu pour révélation. Pas prendre Jésus comme n'importe qui. Jésus n'est pas un monde qui établit une religion chrétienne. Jésus n'a pas établi de religion parce que Jésus lui-même est Dieu de toute la terre. Jésus n'est pas venu établir une religion, mais Jésus est venu enseigner à l'humanité comment vivre avec son Père. Et le texte nous dit, nous terminons avec ce verset ou cette phrase. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie de Jésus nous révèle que si vous voulez la vie vous changer, si vous voulez au lendemain meilleur, si vous voulez remporter victoire sur tête,
et vivre en paix dans l'existence chimérique, ça, c'est apprendre à obéir à bon Dieu. Obéir à bon Dieu, même non pas comprendre. Obéir à bon Dieu, même là où comprendre. Obéir à bon Dieu, les votes ou plein. Obéir à bon Dieu, leur grand goût. Obéir à bon Dieu, les châteaux chargés avec un inconditionné la donne. Obéir à bon Dieu, même les chambrettes là, pas gain aucun vent qui a passé la donne. Obéir à bon Dieu, les mettez en grande position. Obéir à bon Dieu, tout, les tout on n'a pas le mal. Restez dans l'église, bon Dieu, même les tout on apprécie. Restez dans l'église, bon Dieu, même les tout on veut shooter. L'église, ça, c'est l'église, bon Dieu. Il n'y a pas l'église personne. Corin même, comparé même, c'est Jésus là, Jésus me cherchait et là m'a mouru parce que je vais obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Aucun monde ne peut rentrer dans le ciel là qui a vécu dans la désobéissance. Aucun monde ne peut rentrer dans le ciel là qui croit capable d'interpréter la volonté de Dieu. Aucun monde ne peut rentrer dans le ciel là qui veut former un système à propre tête pas où. Qui est dans nous l'ennemi de l'église, ou dit Jodia, l'église là, t'es plate. Je dis à m'a joué nos messages. Je dis à chanter, nous avons un moussi. Vous avez fait tout ça. C'est parce que le problème, vous jambes connaissez à bon Dieu. Là où vous êtes la caille, vous décidez, c'est Jésus qui vient rencontrer. C'est Jésus qui vient faire louange. Louange pour là, à associer à l'autre. Mon pas besoin de connaître qui ça, l'autre n'a pas chanté. Vous avez donné tout le monde à parler. Mais vous même, vous avez chanté pour bon Dieu. Je m'y dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère au nom de Christ. Oh. Est-ce que nous croyons que mon Dieu c'est l'ancien allié? Alors que je vous invite à vous mettre le coup pour prier avec vous. Après la prière, notre équipe chantera pour nous à la sortie. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Nous attendons demain soir, si Dieu le veut, pour la suite des études de ce texte. Seigneur, sois notre Dieu. Merci pour Jésus. Que ton nom soit glorifié et que nous soyons sauvés. Nous te prions, toi qui vivrais au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit, à demain soir, si Dieu le veut. Mais le plus beau nom des anges.
que celui d'Emmanuel. Quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'y a rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Okay. Bonne soirée à vous tous.